Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, je suis en compagnie de... Wolkern. Et de... Saikat. Pour une partie de Warhammer 40 000 V9 à 1000 points entre tes... Necron. Et mes Blood Angels. Et tes Blood Angels. Alors, Wolkern, vous le connaissez, vous en avez l'habitude sur la chaîne. Je suis tout particulièrement content de recevoir Saikat qui a été quelqu'un qui nous a contacté par les réseaux sociaux, par le mail de la chaîne et par le Facebook de la chaîne pour venir jouer chez nous. Et ça fait particulièrement plaisir. Aujourd'hui, donc, nous allons jouer à un format incursion à 1000 points, comme je l'ai dit, sur le Grand Tournament 2020 avec le scénario réapprovisionnement. Wolkern, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce scénario? Pour ce scénario, les règles de mission seront zone de largage réapprovisionnée. Après avoir choisi les zones de déploiement, le défenseur choisit au hasard un pion objectif qui n'est dans la zone de déploiement d'aucun des joueurs pour en faire le pion objectif gamma. Il fait ensuite de même avec les deux pions restants pour faire un objectif bêta. Au début du quatrième round de bataille, le pion objectif gamma est retiré du champ de bataille. Au début du cinquième round de bataille, ce sera le pion objectif bêta. L'objectif principal sera prendre et tenir. Si le joueur contrôle un pion objectif, à la fin de la phase de commandement, il marque 5 points. Si l'on contrôle 2 ou plus, il marque 10 points. Si l'on contrôle plus qu'à l'adversaire, il marquera 5 points supplémentaires. Les deux joueurs ont choisi chacun l'objectif secondaire de mission. Donc, Wolkern, tu vas nous l'énoncer. Il s'agit de l'objectif secondaire de mission sécuriser les sites d'atterrissage, qui concerne le point, la tenue du point alpha à la fin de la phase de commandement. Au round de bataille numéro 2, il marquera 2 points. Au round de bataille numéro 3, 2 points. Au numéro 4, 3 points. Et au round 5, 6 points. Wolkern et ses Blood Angels a choisi l'objectif secondaire, sécuriser le site, qui vient d'être énoncé. Il a choisi aussi sur tous les fronts, et l'objectif des Blood Angels, Fureur des égarés, qui consiste à éliminer des unités ennemies avec une unité Compagnie de la Mort. Saikat, quant à lui, a choisi pour ses Necrons le scénario de la mission. Il a choisi aussi Assassinat et l'objectif secondaire de son codex, éliminer la vermine. La bataille se jouera sur un battle map de la marque Crank Wargame. Crank Wargame est un partenaire de la chaîne et vous pouvez bénéficier d'un code promotionnel de 10%. Le lien est dans la description de cette vidéo. Les décors nous ont été aimablement prêtés par la compagnie du Val-de-Mort à Cognac. Les liens sont aussi dans la description de cette vidéo. Nous vous faisons grâce du déploiement et on se retrouve tout de suite pour la présentation des armées. On commence tout de suite par la présentation de l'armée Blood Angel de Wolkern. Donc mon armée Blood Angel, c'est un bataillon à 1000 points, composé en premier, donc le premier unité d'élite, des intercesseurs d'assaut de la Compagnie de la Mort, équipé d'épées tronçonneuses et de pistolets bolter lourds. À côté, nous avons une unité de 5 intercesseurs d'assaut avec le stratagème de réquisition Ange Ascendant qui me permet de mettre un équipement spécial au sergent qui sera le Quake Bolt qui permet au porteur de tirer une seule fois sur une unité. S'il touche jusqu'à la fin du tour, toute unité d'intercesseur aura plus 1 pour toucher au corps à corps l'unité ciblée. Une unité tactique de 7 Space Marines avec un bolter lourd. Mon seigneur de guerre sera un lieutenant primaris Indomitus, équipé donc du pistolet Neovolkit, de l'épée énergétique de maître et du bouclier Storm. Il aura la relique Blood Angels, icône de l'ange, qui permet aux unités Blood Angels à 6 pas de relancer leur jet de charge, et le trait d'onde prescience qui lui permettra de relancer une touche, une blessure et une sauvegarde par tour. Nous avons ensuite un Dreadnought de la Compagnie de la Mort, équipé de griffes sanglantes, d'un fuseur et d'un lance-flamme lourd, et de fumigène. Ok. Ensuite, une autre unité d'intercesseurs d'assaut, équipée avec épée tronçonneuse et pistolet bolter lourd. Ensuite, nous avons une escouade de Marines de la Compagnie de la Mort, avec un marteau Thunder, deux pistolets Inferno, deux pistolets lance-flamme, et après épée tronçonneuse. Pour finir, nous avons Méphiston, le psycheur du groupe, qui aura trois sorts en plus du châtiment. Aile de Sanguinus qui lui permettra de bouger de 12 pas, gagner le mot-clé vol et relancer les charges. Bouclier de Sanguinus qui me permettra de choisir une unité à 18 pas qui aura une AV à 5 plus jusqu'à la prochaine phase de psy. Et Rage débridé qui permettra à une unité choisie
a mis à 12 pas d'avoir des touches supplémentaires sur les 6 non modifiés. Et voilà. Cette magnifique armée Blood Angel. Alors, combien te reste-t-il de PC au final? Il me reste 5 PC, puisque j'ai utilisé un PC pour avoir un équipement spécial sur un sergent. Ok. Eh bien, on passe tout de suite à la présentation des Nécrons de C4. On passe maintenant à la présentation des Nécrons de C4. Que peux-tu nous en dire? Alors, j'ai un détachement de type patrouille sur une dynastie perso qui sera nimbée de radiation plus expansionniste implacable, donc c'est-à-dire moins 1 en dû pour les unités ennemies à 1 pouce au corps à corps, et un pré-mouvement de 6. Pour cette patrouille de 1000 points, j'ai choisi 5 destroyers Scorpec, équipés de fauchons d'hyperphase et d'une faux d'hyperphase. Ils seront accompagnés de mon seigneur de guerre qui est le seigneur Scorptech, équipement standard. Ensuite, Monseigneur Scorpec aura un trait de seigneur qui lui permettra au corps à corps de se battre contre une unité personnage uniquement et lui rajouter du coup plus 2 attaques. D'accord, donc plus 2 attaques s'il se bat contre un autre personnage. Exactement. Intéressant, on sent le Mac Cora contre Mephiston, ça va chier. Ensuite, j'aurai mon chronomancien qui lui permettra en fait de mettre une invue à 5+ sur mes destroyers Scorpec et de relancer les jets de charge. J'aurai mon réanimateur Canoptech qui sera là pour buffer un petit peu mes Nécrons et leur permettre de se relever sur du 4+. Yes. Elles seront accompagnées d'une Doomsday Arc qui sera là pour faire des trous si possible. Ah bah des gros trous, hein. Si ça touche, ça va faire mal. J'aurai une escouade de 15 guerriers Nécrons équipés en faucheurs standard. Que nous avons ici. Et devant, là, juste là, nous avons... Nous avons donc deux nuées de Scarabs, divisées en 5 unités chacune. Ok. Donc une première qui est ici, et la deuxième qui est là, juste derrière la ruine. A noter que le chronomancien a la relique du Voile des Ténèbres, qui lui permettra donc de TP à un moment dans la game. On sait jamais, ça peut servir. Les Nécrons commenceront donc la partie avec 6 PC, puisque nous sommes en format incursion à 1000 points. On se retrouve tout de suite pour le jet de la V9, le jet d'initiative. Jet d'initiative, vas-y Volkern, c'est parti pour les Blood Angel. Oh, ce sera un 6, voilà, ça commence. Chagatte, attention pour les Nécrons. Et ce sera un 3. C'est donc les Blood Angel qui vont jouer en premier. Avant la partie, donc en pré-game du premier round, Volkern, tu vas faire un truc. Oui. Je vais utiliser le stratagème Fureur Aveugle qui va me permettre, pour 1 CP, de faire avancer une unité Compagnie de la Mort de mon armée de jusqu'à 12 pas avant le premier tour et à plus de 9 pas toute unité ennemie, évidemment. Et comme tu as eu le premier tour, puisque tu as fait un 6, c'est toi qui le fais en premier avant le redéploiement des Nécrons, puisqu'ils auront le choix de bouger toutes ces unités d'ailleurs. Ouais, de 6. De 6. Voilà. Donc ça me coûte 1 point de commandement. Et oui. Je passe donc à 4. Et je vais bouger mes compagnies de la mort à recteur dorsal de 12 pas. On voit tout de suite donc le mouvement pré-game des Nécrons. On va décaler les destroyers Scorpec. Le seigneur va suivre et on va laisser le chronomancien derrière la ruine. Et on va bouger aussi le réanimateur Canoptech pour l'abriter tout en gardant une aura de 6 des guerriers Nécrons. C'est parfait, on se retrouve donc pour le premier tour des Blood Angel qui vont essayer de défourailler du Nécron, mais les Nécrons vont pas se laisser faire. Hein, ils sont pas là pour rigoler les Nécrons. On va essayer. On se retrouve pour le premier round de bataille avec le premier tour des Blood Angel et leur phase de commandement. Tu vas donc récupérer 1 point de commandement, tu vas passer à 5. On passe donc tout de suite à la phase de mouvement. À la phase de mouvement, Volkern, que vas-tu faire? Pour ma phase de mouvement, ce bloc-là ici avec les intercesseurs, Convain de la Mort et les intercesseurs, va avancer pour venir prendre le point. Les Space Marines qui sont ici vont se décaler pour commencer à tirer soit les guerriers Nécrons, soit les scarabées Canoptech. Le lieutenant va rester auprès d'eux pour pouvoir relancer les blessures. Et ici,
Les Death Company vont s'avancer aussi pour aller chercher les guerriers Necrons. Le Dreadnought va avancer aussi. Les intercesseurs qui sont cachés dans la ruine vont venir prendre le point. Mephiston va les suivre. Ok, et eh ben on va regarder tout ça et on se retrouve juste après la phase de mouvement. Les Blood Angels ici vont faire un advance. Donc j'ai plus un en jeu d'advance parce que je suis Blood Angels. 5 plus 1, 6. Donc j'ai 12 de mouvement avec les intercesseurs. Le Dreadnought va avancer de 1. À la fin de la phase de mouvement, Volkern et les Blood Angels ont absolument fait ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. On se retrouve tout de suite pour la phase psy. Le premier sort que Mephiston va lancer sera Bouclier de Sanguinus sur cette unité de Compagnie de la Mort. Pour avoir une invulnérable à 5+, ça passe sur du 6. Et c'est parti. Ça passe pas. Je vais tenter de lancer Aile de Sanguinus qui passe aussi sur du 6, qui permettrait d'avoir plus 12 pas de mouvement en phase psy, et le mot-clé vol et la relance des charges pour lui-même. Waouh! Le smash Sanguinus. Mephiston a réussi son sort, il a donc fait ses 12 pas de mouvement pour se rapprocher de cette unité de Compagnie de la Mort. Et il aura la relance des charges sur lui-même. Et je vais claquer un point de commandement pour utiliser le stratagème Force Spirituelle qui permet à un Psyker Blood Angel de lancer un sort supplémentaire. Mais vas-y. Phase. Donc je passe à 4 points de commandement. Et je vais lancer le dernier sort qui s'appelle Rage Débridée. C'est parti sur du 6. Ça passe. Donc cette unité de Compagnie de la Mort ici, si elle fait des 6 pour toucher, pourra avoir des touches supplémentaires. C'est ça. C'est parfait, on se retrouve tout de suite pour la phase de tir. Phase de tir des Blood Angels. Désigne tes tirs. Donc je commence avec l'unité de tactique marine qui vont tout mettre sur les scarabées. Donc 6 tirs de bolter sur les pauvres petits scarabées qui sont là. Vas-y, alors. C'est sur eux. Sur les 3+. Ok. Je blesse à 3+, relance les 1 puisqu'il y a le lieutenant. Relance les 1. D'accord. Tu sais qu'il y a des faces en dessous de 3 normalement sur les dés quoi. Ah oui, j'ai fait à 1. Ok. Tu as 5 sauvegardes, pas de paire. 5 sauvegardes à 6 sur les nuées. Parfait. Donc j'en ai un qui meurt. 3 tirs de bolter lourd sur du 4+, puisque j'ai bougé. 3 touches. Sur du 3+, relance les 1. Tu as 2 sauvegardes à PA moins 1 pour 2 dégâts flat. Et là, ça fait. Donc ça fait un mort. Un autre mort. Donc là, mon protocole de réanimation s'active. Donc alors, ça va faire 8 dés. 8 dés sur du 5, parce que j'ai pas utilisé de. Le stratagème. De stratagème. J'ai cochon. Ah non, bouge. Chacun son tour. J'en ai un qui revient. Voilà. Je vais passer en phase de charge. Première charge avec les Compagnies de la Mort. Et Mephiston suivra derrière. Ok, est-ce que tu fais un tir de contre-charge C4? Ouais, je claque un PC pour faire un tir de contre-charge. J'utilise le stratagème Refus de mourir, qui me coûte un point de commandement, je passe à 3. Quand une unité Compagnie de la Mort est ciblée par une attaque, jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une figurine d'unité s'en sort perd un PV, sur un 5+, il ne le perd pas. Donc Finopain à 5. C'est ça. C'est parti, le tir de contre-charge des Necrons, là il est important celui-là, il va falloir faire ouais. Des 6. Ils sont combien? 15? 15, ouais. Donc ça te fait 30 tirs. C'est parti pour les 20 tirs, la 20 première salve. Crac. Et 10 autres de plus. Donc force 4. Endurance 4. Donc ça sera sur du 4. 3 sauvegardes à 4+. Reste là. Et j'ai un Field of Pain à 5 pour un PV, car j'ai claqué mon stratagème. Donc ça te fait un PV. Point. Bill le Bottier, avec un point de vie. Charge de la Compagnie de la Mort. Charge à +1. Ça passe. Ça fait 7 plus 1, 8. Ma première charge ayant réussi, je vais charger avec Mephiston, qui a une charge à +1 relançable. Mephiston, le gros ton. Ça fait 4. Loupé. Ça fait 4 plus 1, 5, raté. On recommence. 10.
plus un 11. On n'oublie pas, sans maîtrise. Chagat n'est rien. Là, ça va faire mal. Là. On passe tout de suite à la phase de combat. Phase de combat, Mephiston va commencer par taper. Il a 5 attaques de base, plus une parce qu'il a chargé. C'est parti, touche à 2+. Plus. Hop. 5 touches. J'ai force 10 sur endurance 4. Laisse à 2+. Plus. Ça pique. Perd moins 3. Donc 4 morts. 4 protocoles de réa. 5 plus, relance les 1. 5 plus. Voilà, 2 qui reviennent. Et 2 qui reviennent. Les Nécrons décident de claquer 2 points de commandement pour interrompre. Donc déjà tu vas claquer tes 2 points de commandement, ouais. Et tu en restes 3. De 5, je passe à 3. Les Nécrons ont essayé de maximiser leurs attaques avec leur déplacement, leur piline. Et eh bien c'est parti, donc tous pourront taper, ils auront tous une cible, sauf ce petit monsieur qui est là, lui il est un petit peu, voilà, il n'est pas à 0,5 d'une figurine, elle-même au close d'une unité ennemie. Ouf, je vais y arriver. On se souviendra que les Nécrons donnent un malus de moins 1 à l'endurance à leurs ennemis, à moins d'un pas, ce qui fait que la compagnie de la Muerte qui est là, n'a plus que 3 d'endurance, c'est faiblard. Et Mephiston, il a plus que 4. C'est parti pour les attaques. Alors, je vais faire mes guerriers sur la compagnie de la mort. Donc, touche à 3. Yes! À 3 plus, donc. À 3 plus. Et pan! Et ça fait 5 blesses. À 3 plus, je vais faire là. Une ratée, est-ce que je la relance pour un PC? Ouais, ça me semble valable. Je passe à 2 points de commandement. Je relance mon 1. Ok. Les deux attaques sur Mephiston. Sur du 3, une seule qui passe. Une blesse sur du 4. Une blesse. Et quand même. Sauvegarde à 3. Allez, le PV de la honte. La tank. Sans mon je vais pouvoir taper avec mes unités de la compagnie de la mort. Je vais commencer par le marteau Thunder. Et je ferai les épées tronçonnes après. Bah vas-y, fais-toi plaisir. Marteau Thunder. Donc j'ai 2 attaques de base, plus une parce que j'ai chargé. 3, plus une parce que je suis rage noir, compagnie de la mort, 4. 4 attaques sur du 4 plus, puisque j'ai moins 1 avec le marteau Thunder. Je vais taper avec les épées tronçonneuses. Donc j'ai 2 attaques chacun de base, plus une parce que j'ai chargé 3, plus une parce que je suis rage noir, 4, plus une parce que j'ai épée tronçonneuse, 5 attaques. 4 Gugus, 20 attaques. Les tyrannies d'appression. 20 attaques sur du 3 plus, les 6 provoquent des touches supplémentaires grâce au sort. Hashtag Vincent. Hashtag Vincent. Donc j'ai 3 touches supplémentaires. J'ai force 4, tu as endurance 4. Je blesse sur du 4 plus 1 parce que j'ai chargé 3. Salope. Donc ça, 2, ça dégage. Tac. Tu as tout ça de sauvegarde à moins 1. Bienvenue. Save à 5 pour les guerriers Nécrons. Donc j'en tank 5. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et je perds 7 guerriers. Et donc tu as 7 réanimations. 7 protocoles. Allez. 7 protocoles sur du 5. Relance les 1. Relance des 1. Et je perds 3 guerriers. Nous avons donc le protocole qui est terminé ici. Les Nécrons se sont replacés avec obligation d'être toujours au close d'une des unités avec lesquelles ils étaient avant le protocole. Pardon. Donc obligé d'être au close ici et d'être au close ici. Les autres figurines ont été replacées ici. On se retrouve désormais pour la phase de morale. Phase de morale des guerriers Nécrons. Ils ont perdu 5 guerriers Nécrons sur un 6. Hein, qui s'est raté. Est-ce que tu le tentes quand même? Je le tente. Oh oui, n'a pas peur. Et voilà. Et c'est un 5. Ça passe. Donc, test de morale réussi. Volkern, est-ce que tu marques des points à la fin du premier tour? Je ne pense pas. Si. Ah si? Je vais marquer sur tous les fronts. Ah, il est malin! Je vais marquer 2 points sur tous les fronts car j'ai 3 quarts de table. Un quart de table ici. Un quart de table ici. Un quart de table ici. Donc 2 points de sur tous les fronts à la fin de son tour. On se retrouve tout de suite pour le tour 1 des Nécrons. Attention, les boîtes de conserve s'énervent. Début du tour 1 des Nécrons, on passe à la phase de commandement. Père un PC,
passe de 3 à 4. Ensuite, je vais dire que mon chronomancien va mettre l'aptitude pour avoir une invue à 5 sur mes destroyers. Ok. Mon réanimateur Canoptech va mettre son faisceau de réanimation sur les destroyers aussi, qui lui permettra en fait de relever les destroyers sur un 4+. Ok. On passe tout de suite à la phase de mouvement. Phase de mouvement des Nécrons. Donc, mes 5 destroyers et mon seigneur Scorpec vont s'avancer pour essayer de prendre l'objo et impacter aussi son escouade. L'arche va rester en position. Le réanimateur va sans doute suivre les destroyers, ainsi que le chronomancien. Manu et de Scarab va s'avancer sur l'objectif. Mes guerriers Nécrons vont se désengager. Mm-hmm. Et ma dernière nuée de Scarab ici va s'avancer sur l'objectif et sans doute impacter le Dread. Ouh là là, eh bien on va voir ça tout de suite. Fin de la phase de mouvement du tour 1 des Nécrons. Donc ici ça s'est avancé, on a bien vu qu'on est resté en bulle. Là ça s'est désengagé, on est venu prendre l'objectif numéro 1 qui est au centre. L'objectif Alpha qui est ici. Et l'objectif bêta, qui est ici, qui est donc marqué numéro 2, a été aussi investi par les Nécrons, mais ils n'ont pour l'instant pas le point, car il y a des super OP Blood Angel ici. On se retrouve tout de suite pour la phase de psy. Oh, eh ben non, on va se retrouver tout de suite pour la phase de tir. Phase de tir des Nécrons. Donc mon arche va mettre tous ses tirs dans la compagnie de la mort. Eh ben c'est parti, vas-y. Je vais... claquer refus de mourir pour qu'ils aient un Feel No Pain à 5+. Pour un point de commandement, je passe à 1. Donc il va y avoir 20 tirs de Gauss dans la compagnie de la mort qui vont toucher sur du 3+. C'est parti. Sur du 4. Ouh. C'était à moins 1. Sauvegarde à 4. Sauvegarde à 4, attention. J'ai pris la foudre un peu, Volkern, là. Et 5 Finopain à 5. J'en sauve 2, donc je perds 3 points de vie, donc j'ai 2 morts. Donc j'enlève les 2 lance-flammes. Ok, donc tu as une perte, enfin 2 pertes en tout, c'est pas mal, c'est pas mal. Et il reste le gros canon. Le gros canon qui va tirer à forte puissance, donc c'est un des 6 tirs. Allez. Donc ça touche sur du 3. Et ça blesse et force 10. Là sur du 2. Sur le 2, ça fait rien du tout. Je vais claquer un PC pour relancer un des tirs. Voilà. Ah, une baisse. PA moins 5. Pas des 6 dégâts. 1 des 6 dégâts. 1. Ça fera 1. T'aimes bien faire des 1, toi, hein ? 1 Feel No Pain à 5. 1. 1 point de vie. Ok. Alors je vous rappelle que ces dés n'ont pas que des faces avec des 1. Ils font aussi d'autres jets. Mon seigneur va tirer sur les squads tactiques. 2D, 3 tirs à 18 pas. Il va toucher sur du 2+. Ah bah voilà. Reroll D1. Donc tout passe. Propre. Ah là, reroll D1, c'est trop le temps. Force 6 en du 4, c'est sur du 3. Parfait. Oh. Donc j'ai une sauvegarde à 4 du coup, parce que c'est PA-1. Ouais, PA-1. 1 point de vie. Ensuite, mon chronomancien va tirer avec sa lance, son spectre des éons sur les squads d'intercesseur. Oui, c'est parti. Donc c'est 1 des 3. Donc ce sera 2. Katana là. Donc 2 touches sur du 3+. Une seule. Force 5 sur du 4, ce sera sur du 3. Et ça blesse. Père moins 2, sauvegarde à 5. Ça tank. Sans maîtrise. La Chagat n'est rien. Le réanimateur Canoptech qui va aussi mettre ses tirs sur l'escouade d'intercesseur. Du coup. Donc c'est 1, D, 3. Donc ça fera 2. Il touche lui sur du 4+. C'est force 6, donc ça sera sur du 3. Et c'est paire moins 2. Il sauvegarde à 5. Ok. Ok. Je crois que je vais payer ta pizza. c'est déjà fait. Ouais, c'est bon. T'as ta pizza gratuite. Tout fait au niveau de la phase de tir. Fin de la phase de tir, on passe maintenant à la phase de charge. Donc la phase de charge, les destroyers vont impacter les intercesseurs. Mm-hmm. Le seigneur va les accompagner. Alors, les destroyers, donc ils peuvent, ils ont la relance des jets de charge via le chronomancien. Ouais, bon, je pense que ça devrait aller. Oui, ça devrait aller, là, je pense. Oui. 6. Ça devrait bien se passer. Charge du seigneur Scorpec.
À 5. À 5. Toi, oh, boss. Nickel. Hop. Je vais mettre mes nuées de scarab, une charge sur tes intercesseurs ici. Ouais. Charge à 7. Mes scarabs ici vont tenter une charge sur ton escouade ici. Charge à 7. Ça passe. Ok. Monseigneur Scorpec va taper avec sa moissonneuse d'hyperphase sur l'escouade d'intercesseur. Eh ben vas-y. Très bien. Je vais claquer un point de commandement pour utiliser physiologie transhumaine. Et tu n'en as plus? Je n'ai plus de point de commandement. Oh, le mec est consommateur. Donc ça sera 4 attaques sur du 3+, parce que j'ai moins 1 à la touche. Relance fait 2, relance D1, 3, donc sur du 4, ça en fait une seule, APA-4. Et ben un mort, hop là. Donc là, mes 5 destroyers vont attaquer la squad d'intercesseur. Il y aura donc une faux d'hyperphase, et 5 fauchons, et 4 attaques pardon, de fauchons d'hyperphase. Donc les 3 attaques de la faux d'hyperphase vont toucher sur du 3+, relance D1. Relance voilà. D1. Ouf. Oui. Donc ça en fait que 2. Sur du 4. Une. Un mort. Donc les attaques de fauchon d'hyperphase. Sur du 3+. Relance les 1. Relance des 1. Des là, très bien. Donc là c'est PA-3 pour dégâts 2. Donc sur du 4. Allez. Relance les 1. Bon, et bien t'as 5 sauvegardes à 6, 4, 6 sauvegardes à 6, pardon. 6 pour 2 dégâts flat. Est-ce que je fais le miracle? Ça va trancher. Pour l'empereur? Eh, genre, non. Ici, comme la compagnie de la mort est collée au mur, il va pouvoir, le Nécron va pouvoir faire son peeling et ainsi être en contact avec la compagnie de la mort. Et tu restes donc assise pour avoir la bulle derrière. Deuxième combat, c'est parti ici avec les scarabs qui vont taper dans cette unité-ci. Donc ça te fait 12 attaques. C'est ça. Sur du 4+, les 6 de Soto. Oui. Donc ensuite, force 3 en du 4, c'est sur du 5. C'est ça. 2 ça fera 4. 4 sauvegardes à 3+. Et je perds un mec et un point de vie. Eh ben, plutôt rentable cette histoire. C'est rentable. Allez, 20 attaques ici, présentement. Sur du 4+, les 6 blessent auto. Oh, joli. Donc il y aura 5 blessures auto. 5 blesses auto. C'est pas mal. Sur du 5 pour blesser. Ah, regarde, un de plus, bim, 6. 6 sauvegardes à 3+. Ah, j'ai un mort, tu vois. Eh. Ah, c'est que hein, ça grignote le squeletton, ça grignote. On passe maintenant au Blood Angel. Je vais commencer, bah on va commencer dans ce sens-là, hein, ici. Donc tu as 17 attaques. 17 attaques, donc 2 attaques par Gugus, plus une parce qu'ils ont une épée tronçonneuse, plus une parce qu'ils ont été chargés. Et ben donc ça fait 17 attaques, aïe aïe aïe. Sur du 3+, je vais le mettre là. Ouais, c'est bien. Ensuite, je blesse, donc j'ai force 4, tu as endurance 3, je te laisse donc à 3, plus 1 parce que tu m'as chargé. C'est sur les 2. Ça te fait tout ça de sauvegarde à moins 1. Pas de sauvegarde, ça fait 1, 2, plus 1 à 2 points de vie. Et tu peux faire ton protocole de suite. Ouais. Donc tu relances 8 dés et sur du 5, avec un peu de chance. Et non. Dommage. Voilà, voilà. Deuxième combat, donc ici je vais faire mon piling à 3 pouces. J'en garde un qui garde l'objectif. Donc j'ai 5 bonhommes qui pourront taper. Donc ils ont toujours tous une attaque chacun, plus une parce que tu m'as chargé. Donc 2, 4, 6, 8, 10, plus une parce qu'il y a le sergent. 11 attaques. Donc c'est sur du 3+. Crac. C'est sur du 2+. 2+, relance bien. Eh ouais, les Blood Angels, ils tankent et ils font mal. Pas de PA. Sauvegarde à 6. Il y en a un qui vont faire des 6. Aucun.
protocole de réanimation. Et non. Donc un mort et un à un point de vie. Et on finit par la compagnie de la muerte. Donc j'ai 3 attaques de base plus une parce que j'ai une épée tronçonneuse, ça fait 4 attaques chacun. Donc 4 x 4, 16 sur du 3+. Donc je blesse sur du 5 parce que tu ne m'as pas chargé. Eh oui. Et là il a pas le bonus pour blesser sur du 4. C'est ça. Et là, ça va faire la diff. PA-1. 7 sauvegardes à 4+. Oh je. Bah rien, tu vois, ça compense. Et. Un point de vie. Un point de vie. Les petites épées en Ah ouais, c'est complètement ça là. Eh bien, c'est la fin de la phase de combat. On va passer tout de suite à la phase de morale. Ouais, j'ai un test de morale sur les compagnies de la mort là-bas. Ah non, pardon, c'est là-bas. Là-bas. Donc ça passe, les compagnies de la mort restent. À la fin du tour, donc pas de points de marqué, mais c'est normal puisque nous sommes à la fin du tour 1. On se retrouve tout de suite pour le round 2. On se retrouve pour le round 2 et le tour 2 des Blood Angels. Et Blood Angels gagnent un point de commandement. Chouette, hein, parce qu'ils en avaient plus. Hein. On en avait plus, patron. Et tu vas marquer 10 points parce que tu tiens cet objectif-là et cet objectif-là parce que tu es super opérationnel. Et tu ne marques pas plus de points que ton adversaire puisqu'il a cet objectif-ci et cet objectif-ci. On se retrouve tout de suite pour la phase de mouvement des Blood Angels. Pour la phase de mouvement chez les Blood Angels, les intercesseurs vont rester au close pour tirer et pour taper sur les scarabées et garder le point parce qu'ils sont super OP pour l'instant. Le Dreadnought va partir vers le centre de la table pour reprendre l'objectif. Les tactiques marines ici vont se désengager. Le lieutenant va partir chercher son chef et éventuellement essayer de charger pour contacter le chef ainsi que les destroyers. Ah ouais, d'accord. Mec, il est comme ça, quoi. Il est sympa. Ok, donc tu pourras pas te désengager avec la compagnie de la mort. Ça, c'est le désavantage, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ils vont essayer de survivre et de taper. Et là, ici, bah, on va essayer de raser l'unité de Nécron, hein, avec les Méphistons et les 3 derniers compagnies de la mort ici. J'ai fini ma phase de mouvement, je vais passer en phase psychique. Je vais commencer par lancer le sort Rage débridé sur les compagnies de la mort qui sont ici. Ouais. Ça passe sur du 6. Ça passe. Donc, jusqu'à la prochaine phase de psy, sur des jets de touche au corps à corps de 6, je ferai une touche supplémentaire. Ok. Ensuite, je vais lancer un smite sur les nécros. Oh, c'est moche. Passe sur du 5. Ça passe. Ça un passe. Des 3 blessures mortelles. Une. Une. Et bon. Ben, un mort. Aïe. Je vais donc passer en phase de tir. Phase de tir des Blood Angels. Je vais tirer au pistolet Bolter Long ici. Ah putain. Ah bah oui, non. C'est sur du 3. Bah voilà, c'est un full. Sur du 3, puisque je suis force 4. Bah oui. Ah, deux sauvegardes permanentes. Protocole 4D. Protocole de réanimation. Ouais, c'est dommage. Dommage. Je vais tirer par ici, donc Mephiston va mettre un tir de pistolet plasma pas surchargé. Donc c'est sur du 2. Ça touche. Sur du 3. Ça blesse. PA-3. Animation à 5. C'est beau. C'est beau. Je vais tirer avec les deux pistolets infernaux sur les nécrons, donc c'est 2 tirs sur du 3+. Ça touche. Force 8 sur du 2. PA-4, bah... Alors là, par contre... 2 protocoles de réa. 2 morts. Je vais tirer avec mon lieutenant primaris sur à 15 postes sur son chef. Donc c'est 2 tirs sur du 2+. Sur du 5 et les 6 sont des BM. Bah ouais. En général, il fait plein de BM. Oh.
Bah t'as 2 BM et t'as 2 sauvegardes, pas de PA. 2 save à 3. Et bah ça fait 2 dégâts en plus. Oh la vache! Il pique le sergent! De toute façon j'ai fait 2-6. Voilà. Je rappelle que sans maîtrise... La chaguette n'est rien. C'est ça. Je vais passer en phase de charge. Je vais déclarer d'abord une charge avec le Dreadnought sur les petits scarabées. 4 plus 1, 5, je pense que ça passe. Le Dreadnought il arrive. Coucou, c'est moi. Je vais déclarer une charge ici avec mes fistons en premier. Donc je vais faire un tir en état d'alerte, je vais claquer un PC. Ouais. Donc je passe de 3 à 2. Ouais. Ça fait 14 tirs. C'est parti, c'est sûr du 6. 3. C'est sûr du 5. Ok. Et non. Dommage. Et je vais. Bonjour, sans mon doigt. Je vais charger avec les. Compagnie de la mort. Les compagnies de la mort, je vais charger à la fois les guerriers Nécrons et l'arche. Alors, charge à 5 plus 1, 4 pour pouvoir monter à l'étage aussi, ici et contacter l'arche. C'est ça. 5. Elle est pas moins. Elle est pas moins. Avec le lieutenant, je vais déclarer en charge le Seigneur Scorpec et les Destroyers Scorpec. Alright. C'est parti. 4. Ça passe. 4 plus 1, 5. On passe à la phase de combat des Blood Angels. Volkern, par qui commences-tu ? Le lieutenant Primaris va faire ses 4 attaques plus 1 parce qu'il a chargé sur le Seigneur Scorpec pour essayer d'être sûr de le tuer. Donc je claque un PC pour utiliser la soute au Boyenant qui fera que sur son jet de blessure, il va enlever 1. Donc moins 1 à la blesse, ce qui compensera le trait des Blood Angels. Vas-y Volkern. Donc c'est sur du 2+. Yes. Ah, il ne relance pas les 1, le petit bonhomme. Grâce au trait de Seigneur de Guerre, d'onde prescience, pardon, je peux relancer une touche et une blessure et une sauvegarde par tour. Ça touche. Ok, donc ça te fait 4 touches. 4 touches, je blesse sur du 5 avec une relance. Et ça fait donc 2 blessures PA-3 pour 2 dégâts flat. Un vu à 4. Mm-hmm. C'est maintenant. Allez. Ah! J'ai eu grand tort de vous mesurer à moi. Comme ça. Deuxième combat, le Dreadnought de la Compagnie de la Mort va taper sur les scarabées. Vas-y, ça te fait 7 attaques, c'est ça? C'est ça. 5, plus la rage noire, plus la charge. Eh bien, c'est parti. C'est sur du 3+. Aïe. Force 10 sur du 2. Et je relance léger pour blesser. Ah bon, ça va. Je relance le petit 1 qui est ici. C'est PA-2 pour 3 dégâts flat. Ouh. Personne d'autre ne veut négocier? Où est-ce qu'il a appris à négocier? Non, on va pas négocier. La compagnie de la mort ici va taper. Donc celui qui est dans la ruine va taper sur l'arche, puisqu'il ne peut taper que sur l'arche, il n'a contact que d'elle. Donc il a 2 attaques de base. Plus une avec les bétronçonneuses, ça fait 3. Plus une parce qu'il a chargé, ça fait 4. Et plus une avec la rage noire, ça fait 5. Sur du 3+, et les 6 proc des touches supplémentaires. Grâce au sort. Donc 3+, 4 touches, 1, 6, donc une touche supplémentaire, ça fait 5 touches. Je blesse... Sur du 4. Ouais. T'as 5 sauvegardes à PA-1. 5 sauvegardes à 4. Je perds 3 points de vie. Il te reste 11 points de vie. Ok, tu continues avec l'épée tronçonneuse. Vas-y, vas-y. C'est parti. Donc, c'est pareil sur du 3+, les 6 procs des attaques en plus. Ouf. J'ai 3 attaques en plus. C'est sur du 4 plus 1 parce que j'ai chargé, donc sur du 3. Tu as 6 sauvegardes à moins 1. Donc 6 sauvegardes à 5. C'est bien. Oui. Oh, joli. Bon, t'en perds 3 déjà. Donc c'est parti, 4 attaques de marteau sur du 4, les 6 proc des touches supplémentaires. Donc ça fait 4 touches. Le nombre de 6 qu'il a fait. C'est sur du 2. Ah j'ai oublié, j'ai lancé un. Ça fait 4. 4 sauvegardes à 6. Oh putain.
Et heureusement qu'il a un peu de chine quand même. Collé, moi je m'approche plus de vous. Vous avez la main de leur gueule. 5 protocoles de réa à 5. Sur du 5. 3 qui reviennent. Il est temps de taper avec. Sans mon doigt. Sans mon doigt. C'est parti, 5 attaques de Méphiston, de gros ton, sur du 2+. Force 10, c'est sur du 2. T'as 4 morts. 4 protocoles de réanimation. Ouais. Il en relève une. J'en relève une. Et relance D1. Ouais. J'en relève 2. Après mon piline, les 3 destroyers ici vont taper sur la compagnie de la mort. Qui est derrière le mur. Les 2 destroyers ici vont taper sur son lieutenant. Et, seigneur et le seigneur de guerre va taper également sur le lieutenant. Ok. Allez, vas-y, on est parti. Je vais claquer un PC pour physiologie transhumaine sur les compagnies de la mort. Ok. J'ai 0 PC. Donc je vais commencer par ma faute d'hyperphase. Donc 3 attaques. Donc c'est sur du 3+. Allez. Tiens, dans la gueule. Ça passe. Sur du 4. Et ensuite, sur du 4. Une seule. PA beaucoup. PA moins 4. 3 films de peine à 6. C'est parti. J'en fais 1, donc ça fait un mort. Les fauchons d'hyperphase, donc 4 attaques par figurine. Merci. Sur du 3+, relance D1. Donc sur du 4, relance D1 aussi. Donc PA moins 3, j'ai 4 sauvegardes à 6. Raté. Vas-y. Un mort. Un mort. Deux morts. Trois morts. Mais ce soir. Ah non, c'est maintenant. Quatre morts. Ah ben là, t'as pas vu de 6. Non. Et ben la compagnie de la mort. Est décédée. Ouais, assez triste. Mes 2 destroyers vont mettre leur fauchon d'hyperphase sur le lieutenant. Yes. Donc sur du 3+. Yes. Relance D1. C'est moche. Dommage. Sur du 3. Donc sur du 3, relance D1. 6 enlevés à 4. Us. Oh putain. Oh j'ai une relance. Ouais. Ouh. Il vient de perdre 8 points de vie. Il est mort. Là c'est moche. Il s'est fait sanctionner le seigneur de guerre. Blam. Là c'est moche. Ouais. J'ai rarement vu un seigneur de guerre Space Marine se faire découper comme ça quoi. Ici. Tu as fait ton pile-in de 3 vers les figurines les plus proches, à savoir certainement nos amis Blood Angels qui sont ici. Donc très intéressant. Ensuite, tu vas avoir une activation à 6 pas de cette figurine, ton seigneur de guerre, parce que tu as été chargé. Donc tu as le droit d'activer et ton mouvement d'engagement et ton mouvement de consolidation. Donc tu vas aller dans cette direction-là. Allez, c'est parti! Eh ben dites-moi, c'est une surprise qui vient de se passer ici, mais où est la compagnie de la mort? Hein? Ben ils sont là, et là. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On continue cette phase de combat avec mes intercesseurs d'assaut qui peuvent taper sur les scarabées Caloptech. J'ai 13 attaques sur du 3+. Et de Daisy. Ouh! Oh là 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 là, mais arrêtez-les! Putain, mais. Fallait pas tuer mes compagnies de la mort. Tu viens de faire un full sur 15D là ? 13. Ah ouais, pardon. C'est sur du 3+. Oh là 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 là. Eh mais vous aimez. T'aimes pas ça toi les scarabées ? Ah non, j'aime pas ça. Non. Bon. C'est dégueulasse. Tout ça de sauvegarde à moins 1. Donc ils ont pas de save. Ah ouais. Donc c'est wipé. Voilà. Et je vais m'avancer en pilant. Putain, le mec il est pas ascendant scarabée quoi, il aime pas du tout. Hein. Ah non. 3 attaques de l'arche sur son Bobby, sur du 6, et ben ça fera rien. Yes. Aïe. Les nécrons. Vas-y. Les nécrons. Les nécrons, donc il va y avoir 2 nécrons qui vont taper sur les compagnies de la mort. Merci. Et un nécron sur mes fistons. Vas-y. Donc 2 nécrons sur du 3+. Une seule. Sur du 3. Sur du 3. Une sauvegarde. Une blesse. Une sauvegarde à 3. Ah non, il est mort. Nous vous rappelons que les nécrons ont blessé sur du 3 parce qu'ils enlèvent 1 à l'endurance à toutes les figurines à moins de 1 pouce d'aile. Hop là, pendant ce temps-là, Joe l'Indien, il a bien fait de monter. Crac ! Il est mort.
Mon petit dernier va essayer d'enlever un PV de la honte à mes fistons. Mmh. Donc sur du 3. Ça touche. Ça touche. Sur du 4. Sur du 4. 5. Ça blesse pas. Je crois que Volker a quelque chose à nous dire à la fin de son tour 2. J'ai mal. Aïe, j'ai mal. T'es dégoûté, hein. Surtout que c'était mon tour. Ouais, c'est que là tu vas recevoir. Là, je vais ramasser. Ouais, ça va faire mal. Alors, à la fin du tour 2 des Blood Angel, elle n'est pas arrivée en retard, hein, parce que la messe, elle va pas tarder à être dite. Eh bien, les Nécrons ont pas mal nettoyé. Est-ce que tu marques des points? Oui, je marque sur tous les fronts, car je détiens trois quarts de table. 2 points. On se retrouve tout de suite pour le tour 2 des Nécrons. Début du tour 2 des Nécrons. Seikat, c'est ta phase de commandement. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas récupérer un point de commandement, ça c'est voilà. Usuel. Tu vas passer à 2. Il y a Métal Organique, tu vas récupérer donc un point de vie. Sur mes figurines. Donc mon Destroyer va repasser full vie. Bah attends, hein, tant qu'à faire. Monseigneur va passer à 3 points de vie. Ça par contre, c'est, hein, ça fait plaisir. Carrément. Et mon Arche va passer à 12 points de vie. Ça fait plaisir aussi. Ça fait plaisir aussi. Ça fait pas plaisir. Tu marques à la fin de ta phase de commandement 10 points parce que tu détiens cet objectif-là. On dirait pas, hein, mais si, parce que t'es super OP. Ouais, j'ai deux nécrons, là. Et cet objectif-là avec mes destroyers. C'est ça. Et tu marqueras aussi, du coup, 3 points d'assassinat, hein, qu'on notera certainement à la fin de ce tour pour le noter au flot. Puisque tu as quand même tué le seigneur de guerre adverse d'une manière tout à fait violente. Phase de commandement, tu vas aussi utiliser l'aptitude du chronomancien pour leur mettre une invue à 5+, et le faisceau de mon réanimateur qui va leur permettre de se relever sur du 4+. Ok. On se retrouve tout de suite pour la phase de mouvement. Phase de mouvement, mes guerriers ici vont se désengager pour venir se placer ici. Mm-hmm. Mon chronomancien et mon réanimateur vont sans doute avancer par là. Mes destroyers vont se rapprocher de son escouade afin d'essayer de la wiper au prochain tour. Ah oh, bah tiens. Ainsi que le seigneur de guerre. Et mon arche ici va pas bouger. Fin de la phase de mouvement des Nécrons. Tout a été fait comme ça avait été dit au départ. On se retrouve tout de suite pour la phase de tir. Je vais mettre tous les tirs de l'arche sur mes fistons. Yes. C'est parti. Les 20 tirs sur du 3+. Donc sur du 5. Père moins 1. Donc c'est sauvegarde à 3. Ça tank. Le canon en profil haute puissance. Donc ça fera 2 tirs. Ok. Sur du 3. C'est magnifique. Alors voilà, il avait dit qu'il éclaterait Méphiston. On est d'accord. J'aime beaucoup. La Méphiston, elle a même pas tremblé. Mon chronomancien va tirer sur le dread. Vas-y. C'était un D3. Sur du 3+. Force 5 en du 7, donc ça sera sur du 5. Et ça fera rien. Le réanimateur Canoptech, c'est assaut 3. Sur du 5. Parce que tu as oui, Advance. Parce que j'ai Advance. Va tirer sur le dread aussi. Ça fera 2 touches. C'est force 6 sur en du 7, donc ça sera sur du 5. Et ça fera 2 blesses. Sauvegarde à 5. Je rate, ça fait combien de dégâts? C'est 1 dégât. C'est 1 dégât? Ouais. Chacun? Bon, ça fait 2 points de vie. Finopail à 6. Ah! Non, 2 points de vie, donc il est à 6 points de vie. Ensuite, Monseigneur Scorpec va tirer sur son dread aussi, donc c'est 2 des 3. Ish! 3, 4, 5 touches sur du 3+. 2+, pardon. J'ai la relance des 1. C'est force 6, donc c'est sur du 5. Ça passe, donc, 5 et 6. C'est PA moins 1. Moins 1, donc c'est sur du 4. Ça tank. Fin de la phase de tir des Nécrons. Et on va se retrouver tout de suite pour la phase de charge. Phase de charge des Nécrons. Vas-y. Le seigneur va charger son escouade. Charge à 6.
Donc il charge l'escouade des Space Marines tactiques. Mes destroyers vont charger ici. Les tactiques. Les tactiques toujours. Charge à 10. Oh, ils sont chauds comme la braise. Fin de la phase de charge, début de la phase de combat. Donc je vous rappelle qu'il n'y a plus d'unité engagée à part celle que vous avez sous les yeux. Donc mon destroyer va lancer ses 4 attaques sur sa tactical squad. Ouais, tactical pas. Squad. Tactical squad. Donc je vais prendre le profil moissonneur d'hyperphase. Donc ça touchera sur du 3. Relance D1. C'est force 8 en du 3, donc sur du 2. 3 blesses. PA-4. 3 morts. Les 5 destroyers vont mettre leurs attaques sur la tactical squad. Donc je commence par la faux d'hyperphase. Donc sur du 3+. Ça en fait 2. Force 7. Sur du 2. Relance les 1. Relance les 1, ouais. Et ça fera 2 blesses. Mais 2 morts. J'avoue, il regarde, il dit « Putain, c'est balèze !» Donc 16 attaques sur du 3+. Relance D1. Et ensuite, c'est force 5 en du 3, donc sur du 3. Relance D1. Toujours. Mais lui, il faut la relance D1 parce qu'il fait plein de dégâts. CPA-3 et le viol des Blood Angels continue. Oh la vache. Fin de la phase de combat. Il n'y aura pas de test de commandement. À la fin du tour 2 des Nécrons, et oui, c'est bien le tour 2, eh bien, il n'y a plus beaucoup de Blood Angels sur la table. Et tu vas marquer... Éliminer la vermine pour les quarts de table où il n'est pas présent. Donc ici et ici. Donc ça te fait 4 points d'éliminer la vermine. 3 points d'assassinat pour le lieutenant que j'ai wipé. C'est ça. Et tes 10 points de début de tour. Ok, on se retrouve tout de suite pour le tour 3. Début du round 3 et début du tour 3 pour les Blood Angels. Tu récupères 1 point de commandement. Je passe à 1. Je marque... 1 point, je marque 5 points, 10 points de primaire. Yes. Je ne tiens pas plus d'objectifs que l'adversaire. Cependant, je vais marquer 2 points pour l'objectif de mission. Car au round 3, on marque 2 points. Ok. Alors, on va passer tout de suite à la phase de mouvement. C'est ça. Donc, phase de mouvement. Volcan, qu'est-ce que tu vas faire? Les compagnies de la mort vont essayer de finir les Nécrons. Ok. Mephiston va faire ses 7 pas de mouvement ici pour après essayer de lancer son sort pour venir... chercher soit ces unités-là, soit ces unités-là. Ouais. Ces intercesseurs vont essayer de faire une advance pour venir chercher le point. C'est ballsy, ouais. Mais ça peut peut-être se faire. Ouais. J'ai plus un advance, donc on sait jamais. Ouais. J'ai un CP pour relancer. Et le, en fonction de la réussite des intercesseurs, on verra si je bouge le Dreadnought pour foncer là-dedans. Donc, les intercesseurs vont essayer d'advance pour venir chercher ce point. Voilà! C'est comme ça, les gars, on est encore dans la game. Voilà, donc ça fait 13 de move. Je vais passer en phase de psychique. Avec mes fistons, je vais essayer de lancer les ailes de Sanguinus qui passent sur du 6 pour 12 pas supplémentaires de mouvement et le mot-clé vol et la relance des charges. Ouh, oui, celui-là, il est important. C'est parti, sur du 6. Je vais relancer... Aïe, 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 aïe. Et là, c'est le drame. Allez, allez, il faut y aller. L'accident industriel. Oh, c'est ça que j'aime voir. Et là, c'est vraiment pas de chance parce que franchement, c'était très bien joué. Cette traversée du désert, là. Le deuxième sort que je vais lancer, bah, du coup, je vais essayer de lancer... Bouclier de Sanguinius pour filer un 5 plus invulnérable à mon Dreadnought. C'est parti, ça passe sur du 6. Sur du 6. Et là, évidemment... évidemment voilà. C'est souvent comme ça, le sort dont on se... Hein, on se... Tu relances deux fois le même sort, tu passes pas, et l'autre, tu fais un 11. je vais passer en phase de tir. On va commencer par E.
les compagnies de la mort Marines. J'ai un tir de pistolet inferno. C'est sur du 3+. Très bien, parfait. Ça touche. Sur du 2. Ça blesse. Et à moins 4. Allez, vas-y. T'en as qu'un seul pistolet. Oui. Donc tu peux y aller, tu peux relever. Ou pas. Non. Non. Mephiston, on va mettre un tir de pistolet sur les nécrons aussi. C'est sur du 2. Va-t-il se rattraper hein. Et je ne surcharge pas. Je ne vais pas mourir. Ça touche. Sur du 3. Ça blesse. PA moins 3. Un mort encore. Donc tu relèves. Et oui. Ah ouais. Je vais maintenant tirer avec mon Dreadnought. Donc le Dreadnought, il a un tir de fuseur et un tir de lance et des 6 tirs de lance-flamme lourd. Je vais mettre le fuseur sur le Scorpec et les lance-flammes lourds sur eux. Sur les destroyers Scorpec. Ok. On commence par le fuseur. C'est sur du 3. Ça touche. Donc le fuseur, c'est force 8. Tu as endurance 6. Endurance 6. Donc j'ai claqué un PC pour assaut tourbillonnant sur le seigneur Scorpec. Ce qui fait qu'au lieu de me blesser sur du 3, il me blessera sur un 4+. Ok. Et bah c'est parti. J'ai une blessure sur du 4. Ça blesse. Ça passe quand même. PA moins 4. Donc tu as une invue, je pense. Invue à 4. Donc je te laisse jeter le dé, et ce sera, si tu rates, c'est D6+2. C'est tanké. Ouais, mais il se bat bien le loup d'Angel, hein. Franchement il se bat bien. Je fais ce que je peux. On dirait Sanguinus face à Horus dans le palais de l'Empereur. C'est clair. D6 tirs de lance-flamme lourd sur les destroyers. C'est parti. 3 tirs. Sachant qu'il n'y a plus de PC. Force 5 sur endurance 5, donc c'est sur du 4. Rien. Aïe. Et ben, fin de la phase de tir, phase de charge. Le Dreadnought Compagnie de la Mort va charger les Destroyers Scorpec. Ok. C'est parti. Donc, 7 plus 1, 8, moins 2, 6. Parce que ça je suis dans le... Je mets là à plus de 3 pas de son chef. Je déclare une charge avec les Compagnies de la Mort sur les deux Nécrons. On va essayer de les tuer. Ça passe. Et eux, c'est les deux mecs de la Compagnie de la Mort les plus ridicules de l'histoire de la Compagnie de la Mort. Ils tentent le tout pour le tout, Mephiston, ici. Charge à 10+1 sur le réanimateur. Ok, c'est parti. Attention, c'est ballsy. C'est parti sur du 10+1, 9. Non, raté. Ben voilà. Allez, c'est la fin de la phase de charge. On va passer à la phase de combat. Les Compagnies de la Mort, 5 attaques de marteau pour commencer. Vas-y. Donc, c'est sur du 4+. 2 touches. C'est sur du 2. Tac. Ah, PA-2, pardon. Bah, pas 2 sauvegardes à 6. Double 6, c'est bien fait. Non. Yes. Oui. 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 C'est l'histoire d'un mec qui a tué 15 nécrons. Oh putain. Alors, t'es content hein? Oh putain. Ah, j'en ai marre de ces nécrons. Ah c'est bon, je peux remballer, je m'en vais. Je fais ma game, c'est bon. T'as un peu de patate là. Ok, alors, la suite. La suite. Elle est lancée là, attention, ça va faire mal. Le Dreadnought, donc il a 5 attaques de base, plus une parce qu'il a chargé, plus une parce que rage noire, donc ça fait 7, plus une parce que je suis en doctrine d'assaut, ça fait 8. Prends pas de l'objectif, c'est bien joué, vas-y. Allez. C'est sur du 3. Vas-y, Rocky, t'es bien. Ouvrez la fenêtre, s'il vous plaît. Ouvrez la fenêtre. Allez, allez. Tu te souviens de la scène de Dark Vador quand il fait « Non !» Ouais, c'est ça. Putain. Tu viens de tuer Padmé, là. Ah, putain, ça fait chier. Je suis force 10. Tu es endurance 6. 5 sur du 2. 5 sur du 2. De toute façon, j'ai plus 1 pour blesser. C'est relançable. Et j'ai quand même un 1. La heureusement que c'est relançable. Oui, regarde. Il se plaint, le mec. C'est PA-2 pour dégâts... De c'est dégâts 3. Donc j'ai 2 imbus à 5. Pour un mort à chaque fois. Ouais, c'est dégâts 3. Oh putain, ok. Non, mort. Alors, il en sauve quand même 1. T'as raison. Et t'as une protocole de Léa sur du 4+. C'est sur du 4. S'il le relève.
Non. Je commence par la faute d'hyperphase sur du 3+. Tout passe. Vas-y. Force 7 en du 7, c'est sur du 4. Ça fait 2 blesses, APA-4 pour 3 dégâts flat. 2 AV à 5 sur le Dreadnought. Allez, on y croit. On sauve une. Tu viens de rater une sauvegarde d'un vue à 5. Tu as donc 3 dégâts normalement, mais c'est seulement 2 puisque tu es un Dreadnought. C'est ça. Tu as donc 2 Feel No Pain à 6. Allez, c'est parti. Non, je prends 2 points de vie. Donc, mes 3 destroyers restants mettent leurs attaques de fauchon d'hyperphase sur du 3+. Relance D1. Celui-là n'est pas bon. Ensuite, c'est force 5, donc ça va être sur du 5. Et ça fait relance D1 aussi. Ça fait 3 blesses à PA-3 pour dégâts flat 2. 3 sauvegardes à vue à 5. J'en réussis une. 2 dégâts flat, donc ça fait 1 dégât à chaque fois. Donc 2 films de pain à 6. Raté. Je vais rester à 2 points de vie. Eh ben tu vois. Toujours vivant, comme dirait Renaud. Fin du tour 3 des Blue Angel, je vais marquer uniquement 3 points parce que j'ai détruit une unité avec une unité de compagnie de la mort. C'est parfait, et bien ça passe maintenant au tour 3 des Nécrons. Début du tour 3 des Nécrons, phase de commandement tu regagnes un PC, phase de commandement tu récupères un point de vie ici. Donc de passant de 3 à 4 points de vie. Ton arche du jugement dernier passe à 13. Donc le chronome ancien ne peut pas leur mettre l'aura qui leur permettrait de profiter d'une invue à 5 parce qu'il est trop loin. Et pareil pour le faisceau de réanimation, je pourrais pas les réanimer sur du 4+, parce qu'il est trop loin aussi. Ok, et oui, parce que t'as enlevé les figurines qui étaient là. C'est ça. Et on fait pas toujours tout bien. Eh bien, on passe tout de suite à la phase de mouvement. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Donc mon arche du jugement dernier va venir se placer ici et je pense qu'on va essayer de wiper cette escouade. Mon chronome ancien et mon réanimateur vont avancer pour qu'ils puissent profiter de l'aura pour le prochain tour. Monseigneur va charger le Dread afin d'être prioritaire par rapport à l'attaque. Et voilà. Et mes destroyers vont rester engagés au cas que... Eh ben c'est parti, nous te regardons faire. On se retrouve juste après. Alors vas-y, phase de tir, des Nécrons. Le Seigneur Scorpeg va tirer sur les squads d'intercesseurs. Donc c'est 2d3 tirs. Ça fera 2 tirs. Ouais. Qui vont toucher sur du 2+. Ouais. Ça touche. Et qui vont blesser sur du 3. Et ça fera rien du tout. Le chronome ancien va mettre son d3 tir sur les squads d'intercesseurs. Voilà. Ça touche. 3 tirs. Sur du 3+, ça en fait 2. Du 3. Et à moins 2. Ça sauvegarde à 5. Pour un dégât. Pour un dégât. Un mort. C'est le pauvre. L'arche du jugement dernier. Les 20 tirs de Gauss sur les squads d'intercesseurs. Jugement dernier, ça n'a jamais été aussi vrai pour moi. Il fallait bien qu'à un moment ou un autre, tu sois jugé pour tes actes, Volker. Force 4 en du 4, c'est sur du 4. Allez, c'est sur du 3+, 4+, puisque t'as tapé à moins 1. Ouais. Un mort et un point de vie. Ok, parce qu'il y a un 3. Un des 6 tirs de canon sur les squads intercesseurs. Voilà, évidemment. Sur du 3+. Donc là, on est bien d'accord, tu n'as pas tiré en concentré. Ouais. Oui, j'ai tiré avec le profil basse puissance. C'est ça. Parce que je pouvais pas tirer avec le profil haute puissance ayant bougé. Ensuite, c'est force 8 en du 4, c'est sur du 2. Ouh, le double one. Celui-là, il peut faire chier, celui-là. Je vais claquer un PC. Ouais. Pour relancer. Donc, je passe de 2 à 1. Bien moins 2. Sur du 5. Pour combien de dégâts? C'est dégâts des 3. Ah. Il y a un mort du coup, puisqu'il y en avait un à un point de vie. On peut l'appeler le survivant lui. Hein. Ouais, c'est clair. Fin de la phase de tir des Nécrons, on va passer tout de suite à la phase de charge. Phase de charge, mon destroyer Scorpec va charger le Dread ici. Je pense que ça devrait aller. Donc la charge est réussie. Phase de combat.
Donc, mes 4 attaques de destroyer sur le Dread. C'est ça. Avec le profil moissonneuse d'hyperphase. C'est parti. Donc, sur du 3+, on relance D1. Ah non, mais il faut qu'il... Et franchement, la relance D1 pour lui, c'est une obligation. C'est ça. C'est force 8 en du 7, c'est sur du 3. J'ai une à vue à 5. Yalla! Yes! Bien joué! La suite, s'il vous plaît, messieurs? La suite, c'est moi. Oh oh! J'ai 8 attaques. Alors, j'ai 8 attaques de Dreadnought sur les Destroyers Scorpec. On va essayer de faire mieux que tout à l'heure. C'est sur du 3. Donc, j'ai force 10, tu as endurance 5. Je te blesse sur du 2+. Et c'est parti. J'ai relance des blessures. Yes. Donc je relance mon 1. Tu as 4 sauvegardes à PA moins 3. Je suis en doctrine d'assaut. 4 save à 6. 0. 3 points de vie chacun. 1, 2, 3. Ça fait 4 morts. Je claque mon dernier PC pour faire une relance. Essayez de faire un 6 et ballsy. Oh, il le fait! Yes. Oh, il le fait! Non, il le fait! Non! Le mec, sans déconner. J'y crois pas, quoi. Il y a tout contre moi. Sans maîtrise, la Shagat n'est rien. Oh là là, bah t'as 9 jets de protocole. 9 jets de protocole, et ça c'est quand même... Pas mal du tout. C'est quand même bien joué. Donc, 9 jets sur du 5+. Oh putain, il enlève. J'en relève un seul. Et ça se relève, mec. Putain. C'est vraiment Terminator, quoi. Oh non, mais là c'est... Et j'ai envie de dire... Tatam, tatam, tatam. Sarah Connor. Je fais donc mon contre avec mon destroyer ici, faux d'hyperphase, sur du 3+. Relance D1. C'est force 8 en du 7, c'est sur du 3. Relance D1. Ça fait 2 blesses. 2 à vue à 5. J'en rate une. T'as combien de dégâts ? 3. 3 dégâts, donc 2. Donc 2 Phinopain à 6. 13, 2 points de vie. Come on! Il reste un point de vie. Yeah, il est pas mort encore, hein. Mais il y a l'autre. Ça tient. C'est pas grave. Ça tient. Le dernier destroyer tape sur du 3+. Relance D1. Il fait tout le temps D1. En fait, il fait tout le temps des relances, c'est génial. Là, ça va être sur du 5. Ouais. Et j'ai une blesse. Une save. Un vue à 5. Oh. Ça tank. Ça tank. Putain, je suis en vue, je suis en vue. Je rappelle que les Dreadnought n'ont pas de profil dégressif tant qu'on n'aura pas détruit le dernier point de vie. Ils sont c'est là. Ça. Fin du tour des Necrons. Tu as un test de commandement ici, monsieur ouais, le Blue Angel. C'est ça. Je vous engage à le faire de Il suite. Est très important. Donc là, j'ai perdu 3 figurines. J'ai un commandement de 8. Donc sur du 6, ça part. Ouais. Il est hyper important parce que si je perds le point, ça reste. C'est bon. Ils sont encore là, les fils de Sanguinius. Donc, les fils de Sanguinius sont toujours là. À la fin du tour des Necrons, tu vas marquer... donc, une fois éliminé la vermine. Fin du tour des Necrons, début du round 4. Volkern, début de ton tour 4. Tu es encore dans le game. Mmh. Tu vas marquer 15 points de primaire, car tu tiens ce point-ci... Ce point central qui va te rapporter aussi 3 points de secondaire à la fin de ta phase de commandement, ce qui te fait déjà 18 points à ce tour, puisque tu as 2 points, donc 5 plus 5, et tu en as 2, et ton adversaire n'en a pas du tout, donc tu en as plus que lui. Donc ça fait 18. Ouais, c'est intéressant. Tu regardes un point de commandement. Je passe à 1 puissance épée, comme disent les Tabletop Nuts. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, on les salue. Salut les Nuts, et on les remercie encore parce que ils nous ont contactés et ils nous ont arrangé le truc pour qu'on puisse continuer à être tous les 15 jours le mardi à 21h. Et ça, c'est vraiment sympa de leur part. Ils n'étaient pas obligés de le faire, étant donné qu'ils sont plus gros que nous, ils auraient pu forcer et ils ont été super. On passe tout de suite à la phase de mouvement des Blood Angels. Nous vous rappelons évidemment qu'au début de round, l'objectif ici. Et supprimer de la partie. Hein ? Quel suspense. Phase de mouvement des Blood Angels. Vas-y. Donc on est là pour le beau jeu, on est au round 4, je suis encore dans la game, donc je vais encore une fois essayer de tenter des trucs pour essayer de m'envoler au point.
et de l'empêcher de faire un round 4 qui pourrait être décisif. Sachant qu'il joue en deuxième et donc il aura un round 5 qui le sera de toute c'est façon. C'est ça. Là, en gros, je vais avancer mes fistons par ici pour essayer de refaire ce que j'ai fait au tour d'avant. Ce que ah j'ai ouais, pas c'est fait. Rater toutes les c'est ça. Ce que j'ai pas fait. Le Space Marine qui est ici va rester pour garder ce point-là qui est très important sur cette partie-là. Ouais. Les Death Company vont faire leurs 12 pas pour venir charger la barque, sachant qu'eux, ils ont vol, ils n'auront pas de malus à la charge. C'est vrai. Ok, eh bien, on va voir ça tout de suite, on se retrouve juste après. À la fin de la phase de mouvement des Blood Angels, le Dreadnought qui est ici n'a pas pu se désengager parce qu'il est compagnie de la mort et avec un seul point dit, ben, c'est bye-bye. Ici, ça a pris le point. Mephiston s'est avancé tel qu'il a pu pour essayer de faire des sorts, et puis on a les deux derniers de la compagnie de la mort là qui se sont mis ici. On se retrouve tout de suite pour la phase de psy. Parti pour le premier sort de Mephiston. Les ailes de Sanguinus, on retend ce qu'on a essayé de faire le tour précédent qui n'a pas marché, donc c'est sur du 6. Alléluia. Donc ça fait que je gagne 12 pas de mouvement pour la phase de psy avec le mot clé vol et la relance des charges. Waouh! 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 Bonjour. Bonjour, c'est sans mon doigt. Salut les gars. Je vais tenter de mettre un smite sur les Destroyers Scorpec. Ok. C'est parti. Ce sont les plus proches. Vas-y. C'est sur du 5. Et je vais claquer mon dernier point de commandement pour relancer le smite. Ouais. Non mais fiston, tu serais pas un peu une brère magie? Ah voilà. D3, il va faire 1 tout dégoûté. C'est clair. Tu la colles en plus. Salaud. C'est de ta faute. Bah tu perds un point de vie sur un destroyer. Phase de tir. Mephiston, on va mettre un tir de pistolet plasma sur le réanimateur. On va pas surcharger parce que faut arrêter quand même. Ça touche. Force 7, endurance 5, c'est sur du 3. PA-3 pour un dégât. Save à 6. Et bah, un PV. Je vais passer en phase de charge, je vais déclarer une charge avec les compagnies de la mort. Ah. T'as plus de PC, tu peux pas faire de tir de contre-charge. Ça passe. Alors, 9. Je déclare une charge avec mon intercesseur d'assaut sur ta barge. Vas-y. 5. Ça passe. Et je déclare une charge avec mes fistons sur les Destroyers Scorpec et le chef. Bon, ouais. Oh, ça réussit, étonnant. Ouais. En même temps, à deux pas. Tac. Salut les filles. Je vais passer en phase de combat. Je vais commencer par la compagnie de la mort qui va mettre ses 5 attaques avec le premier Space Marine de marteau. Sur la barge, c'est parti, c'est sur du 4. Force 8, endurance 6. C'est quand même sur du 4. C'est quand même sur du 4 avec blindage quantique. Rien, putain. Et ouais, sans maîtrise. La chaviote n'est rien. Voilà. Le Space Marine avec l'épée tronçonneuse, il a 2 attaques de base, plus une parce que l'épée tronçonneuse, ça fait 3. Plus une parce qu'il a chargé 4. Plus une parce qu'il a rage noir 5. Plus une parce que doctrine d'assaut. 6. Ouais. Donc c'est 6 attaques sur du 3+. C'est pas vrai. 4 touches. C'est sur du 4. 2 sauvegardes PA-2. Donc 2 sauvegardes à 5+. Une tankée. Et ben, un bon lui. L'intercesseur d'assaut, il a 3 attaques de base, plus une avec l'épée tronçonneuse. Plus une parce que j'ai chargé. Plus une parce que la doctrine d'assaut, 6 attaques, c'est sur du 3, ça fait 5 touches, force, bah je blesse sur du 4, puisque j'ai plus un pour blesser, tu as 2 sauvegardes PA-2 encore. 2 save à 5, et en tant qu'une, il perd un point de vie. Ok. Oh, t'as encore perdu un point de vie. C'est le mec, il raille la peinture, quoi. Ah, même pas, parce qu'en plus, ça se régénère, la peinture. C'est clair, c'est... Alors, Mephiston, il a 5 attaques de base. Ouais. Plus une parce qu'il a chargé. Ouais. Plus une parce que doctrine d'assaut. Ça fait 7. Ça fait 7 attaques. Je vais tout mettre sur les destroyers. Vas-y, Mephiston, montre-nous que t'es un ton. C'est sur 2, c'est sur du 2+. Ouais. Tout touche. Waouh. Force 10, endurance 5. Sur le ouais. Ouais, sur du 2, plus 1 pour blesser, toujours sur du 2. Force 10 parce que Vitarius c'est sur du 2. C'est même sur du 1 en fait. Il faut pas faire de 1. Voilà, donc tu as 6 sauvegardes à PA moins 4 de points de vie. Ils sont morts. Vas-y, c'est à toi. Avec ton chef. Saïkat, ici.
Qui tu tapes? Donc, Monseigneur va taper sur le Dread. Ok. Parce que je veux qu'il tombe. Oh, le pauvre. Donc, c'est toujours la moissonneuse, donc ça va être sur du 3+. Ça fait 2 qui passent. C'est force 8 en du 7, donc sur du 3. Et ça fait 1 qui passe. PA combien? C'est PA moins 4. Moins 4, donc j'ai que des Feel No Pain. 3 Feel No Pain à 6, on y croit. Le triple 6. Il fait pas passer bon. Ah putain, celui-là il fait mal. Et bah il meurt. Est-ce qu'il explose? Je l'ai vu. Oh, je l'ai vu. Je l'ai vu. Et non. Non, bah c'est la fin pour le Dreadnought. Il aura fait le taf quand même. Il aura fait son boulot, ouais. Fin du tour des Blood Angels qui ne marquent pas sur tous les fronts, c'est clair. De toute façon, là ça devient compliqué. Là, c'est compliqué. Tu ne marques rien d'autre. On passe tout de suite au tour des Nécrons, tour 4. Donc début de mon tour 4, je récupère un point de vie sur ma barge. Yes, puisqu'on est à la phase de commandement. Je repasse à 12. Ici, je récupère un point de vie aussi, je passe à 5. Je récupère aussi également un CP. Je récupère un point de vie aussi sur le réanimateur. Et donc je repasse full. Voilà. Dans ta phase de commandement, tu vas pas marquer de points non plus. Le chronomancien va mettre son invue sur le réanimateur. Yes. Invue à 5, on est d'accord? Oui. Ok, on se retrouve tout de suite pour la phase de mouvement. Phase de mouvement assez importante des Nécrons dans ce tour 4, puisque maintenant qu'ils marquent en fin de tour 5, eh bien la barge va en fait rester au close ici pour pouvoir tirer, puisque ça ne servira à rien qu'elle se désengage pour se faire courir après. Notamment. Monseigneur ici va se désengager pour finir sa course par là. Ouais. Le réanimateur va venir se placer ici pour tenir l'objectif. Ouais, bah vas-y, fais-le parce qu'il n'y a plus beaucoup de figurines, donc là on enchaîne. Alors, phase de tir des Nécrons, on passe tout de suite au truc le plus important. Donc, l'Arche du Jugement Dernier va mettre 10 tirs sur ce petit monsieur et 10 tirs sur la Compagnie de la Mort. On commence par les 10 tirs sur les Blood Angels, sur le Blood Angel qui est là, qui est super OP. Tu joues le stratagème d'équipement condensateur de désintégration qui fait que sur du 6, eh bien tu feras de la blesse automatique. C'est parti pour les 10 premières. Attention, on croise les doigts ou on ne croise pas les doigts. Crac, hépatite. S'il y en a un. Il y en a un. Donc il y aura une blesse auto. C'est sur du 4. Pardon, c'est sur du 3. Oui. Oui, c'est vrai que c'est très fort du coup. C'est sûr du 3 parce que tu as moins 1 en endurance. C'est ça. En fait, tu as pris un trait d'enfer. Il est super bien. Il est hyper fort. Ouais. Du coup, j'ai 4 sauvegardes sur mon bonhomme à 4. C'est ça, 4 sauvegardes à 4. Attention, il a 2 points de vie, faut pas en rater 2. C'est parti, t'as plus de PC. Ah oh là 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 là, il est mort. Alors là, c'est la phase 1 du plan. Phase 2 du plan, 10 autres tirs. Enfin, ce tour 4, il est ultra tendu. On rappelle que les Blood Angels sont devant au score. C'est parti. Sur du 3 plus, les 6 blessent auto. Il y a 2 6. Eh, mais il a moins de touches que tout à l'heure. Ouais. Donc, j'ai 2 mecs. C'est sur du 3. Il a 2 mecs, il y a 4 points de vie à faire tomber. Tu vas avoir 4 sauvegardes à 4. Attention, je pense que ça va tanker. 4 sauvegardes à 4 et des Feel No Pain à 6. Ah ouais, aussi. Donc ça devrait tanker. Ça tanque déjà, il y a un mort. Peut-être. Feel No Pain à 6. Allez, faut tenir. La Compagnie de la Mort. Ah, il y a un mort. Un mort, sachant que la Compagnie de la Mort n'est pas super OP. Alors ensuite, mon chronomancien va tirer sur Mephiston. Mm-hmm. C'est ça. Donc c'est 1, 2, 3. Tirs. Pardon, c'est 3 tirs qui touchent sur du 3+. Donc on rappelle, c'est le chronomancien qui vient de tirer sur Mephiston sur du 3+. Je suis endurance 5. Force 5, c'est sur du 4. Ouh, le 2. Oh putain, il enchaîne, il enchaîne. C'est incroyable. PA moins 2. Donc c'est sur du 4. Parce que j'ai sauvegardé à 2. J'en rate une. Combien de dégâts? C'est 1 dégât. Finopen à 5. Ça tanque! Ah ouais, Mephiston, il est là. Le réanimateur Canoptech va faire ses tirs aussi. Donc c'est 3 tirs sur du 4+. Mm-hmm. Ok.
On passe. Là. C'est force 6, rendu 5, c'est sur du 3. Ouais. Et tout ah là, le fail. Fin de ma phase de tir. Ensuite, phase de charge. Charge du chronomancien. Charge du chronomancien. Pour tenir le point. 5. Passe. Passe. Un chronomancien bien motivé. Ouais. Charge pour l'animateur. 10. C'est parti pour la phase de combo. 3 attaques du chronomancien avec son chronovrille. Donc ça va me faire 3 attaques supplémentaires. Donc on passe à 4 attaques. Yes. Sur du 3+. Ah, il a 3+ quand même. Ouais. C'est pas mal. Ça en fait 2. Force. Et ensuite c'est force 4. Sur du endurance 3. Ouais, endurance 3. Donc sur du 3. Et ça m'en fait 2 aussi. Eh ouais, vis ma vie de cadien. PA. C'est clair. 0 PA. Vis ma vie de cadien quand t'es Space Marine. C'est combien de dégâts? Ah. Ouh, c'est sur du 3+. Ça tank. 4 attaques de réanimateur sur mes fistons, sur du 4+. Force 5, j'ai endurance 4 puisque tu me baisses de 1, c'est sur du 3. Sur du 3. Ça fait 2 saves à PA-2. PA-2, c'est sur du 5. C'est sur du 4+. Dégâts 1, donc Infinite Pain à 5. Ça là, tank là, il perd pas de, il perd pas de points de vie sans mon doigt. Mais non, il perdra pas de points de vie ce mec là. Et maintenant, ça va chier. Mephiston a 5 attaques de base, plus une parce qu'il était chargé, plus une parce qu'il est Blue Angel et qu'on est en doctrine d'assaut. Yes. Donc ça fait 7 attaques. Yes. Sur du 2+. Yes. Force 10, endurance. 5 sur du 2. Sur du 2. Endurance 5, cette grande bestiole. Sur du 2+. Tu as 4 sauvegardes PA. Moins 4, je crois. 4 à vue à 5. Yeah. Combien de points de vie? D3 à chaque fois. Attention. 3 il, d... a... il a 6 points de vie. Il a 6 points de vie. 3 D3. Là, t'en laisses 1. 1 par 1, vas-y. Ça fait 2. Il reste 4. Il reste 1. Et donc bon, il est mort. Okay. Est-ce qu'il explose sur du 6? Non. Dommage. Et j'ai des attaques de marteau là. 5 attaques sur du 4. Sur le chrono ancien. Avec le Warhammer en mousse. 3 touches, c'est mieux que tout à l'heure. Je blesse en du 4, force 8. Je blesse sur du 2, plus 1, blesse sur du 2. T'as 3 sauvegardes, PA beaucoup. Moins 2. 3 invus à 4. Tu prends 3 points de vie. Il lui en reste 1. Tu es stone, Bernardo. Fin du tour 4 des Nécrons. Est-ce que tu marques des points? Oui, tu marques éliminer la vermine sur 2 quarts de table, à savoir celui-ci et celui-ci, ce qui te fait 4 points. Et c'est tout pour l'instant. On se retrouve tout de suite pour le tour 5 des Blood Angel. Et donc le round 5 décisif dans cette partie. Début du round 5, on enlève ce point. Il n'en reste donc plus que 3 sur la table. Ça se resserre, ça se resserre, ça se resserre. On se retrouve tout de suite pour le tour des Blood Angel. Début du round 5 et du dernier round, avec le tour 5 des Blood Angel, qui ne marque pas de points pour l'instant, qui récupère un point de commandement à leur phase de commandement, et qui vont essayer de se dépêtrer dans ce dernier tour. Alors que vas-tu faire, Volker? Je vais aller au centre et je vais tataner. Voilà. Ouais, c'est une technique comme une autre. Ah, je suis Blood Angel, monsieur. Ouais, moi, ouais. Je tape. Alors, allons-y. C'est parti. Alors, Mephiston va faire son mouvement de 7 pas. Là, ici, je vais finir ma phase de mouvement parce que lui, j'aurais bien aimé qu'il se désengage, mais il est compagnie de la mort. Il est un peu trop bête pour ça. D'accord. Voilà, donc je vais passer en phase de pied. Je vais lancer le sort L de Sanguinus. Encore une fois. Ça passe sur du 6. Ça passe. Tac. Il va venir se mettre par ici. Pour venir smiter ton cryptek. Ça passe sur du 5. 8. 1 des 3 blessures mortelles. Enfin, de toute façon, ça fait 2. Et hop, c'est la mort du cryptek. Hop. Et ça, ça fait plaisir. On commence donc la phase de tir.
Donc je vais juste mettre un tir de pistolet plasma sur son chef. Donc je vais pas surcharger, juste un tir comme ça pour la forme, c'est sur du 2+. Ok, donc c'est sur du 3+. PR-3 pour dégâts 1, donc t'as une vue à 4. Un vue à 4. Il prend un point de vie. Un point de vie. Il lui reste donc 4 points de vie. Et maintenant je vais passer en phase de charge et avec mes fistons je vais charger la barge. Mais vas-y, charge. Ça passe, 11. Et je vais mettre ici, pour être dans ce quart de table-là et ce quart de table-là, pour essayer d'empêcher de marquer ses points de et exterminer la vermine. Eh oui, c'est pas idiot. Et je vais passer en phase de combat. Blood Angel bourrin, mais tactique quand même. Alors, phase de combat. Mephiston a 5 attaques de base, plus une parce qu'il a chargé et qu'il est Space Marine, et plus une parce qu'il a chargé et qu'il est Blood Angel en doctrine d'assaut. C'est 7 attaques sur du 2+. Faut le touche. Force, et donc Mephiston est force 10, tu es endurance 6 mais tu as blindage quantique, c'est ça? C'est ça. Donc je blesserai sur du 4+. 4 sauvegardes, c'est à moins 4 pour dégâts des 3. Donc un vu à 5. 4 imbus. 3 des 3. 3, 5, 6, 6 points de vie. 6 points de vie, il en reste bah, 6. Tu peux taper avec ta barge. Des 3 attaques. 3. 3 attaques. Tape évidemment sur le Space Marine, je suppose. Oui, sur le Compagnie de la Mort. Logique. Sur du 6. Et ça fera rien. Aïe, aïe, aïe. Je vais taper avec mon Compagnie de la Mort. Il a 2 attaques. Il n'a rien en plus parce qu'il n'a pas chargé. Donc c'est 2 attaques sur du 4+. Ça touche. Je blesse sur du 4 vu que tu as blindage quantique encore une fois. Ouh, 2 blessures, PA. Un vu à 5. 5 plus un vu, mais attention, ça fait. 3 dégâts flat. 3 dégâts flat, faut pas que tu les rates. Aïe 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 aïe. 2 invus à 5. Il a plus de PC. Ouh. Oh, le double 1 qui fait mal. Et ça, c'est fort. Est-ce qu'il explose? Aïe aïe aïe, toutes ces tactiques qui avaient été mises en place. Ouais. Le marteau en mousse qui est devenu en acier trempé. Ouais, il était temps. Explosion sur un 6. Et non, il n'explose pas. Aïe, ça renverse complètement la situation. Et là, ça va être compliqué. Donc c'est la fin du tour 5 des Blood Angels qui, clairement, ont réussi tout ce qu'ils voulaient à ce tour-là, alors que ça n'avait pas été le cas forcément avant. Et donc tu vas marquer en plus, oui, 3 points, puisque ton dernier marteau en mousse de la Compagnie de la Mort a détruit la barge, donc ça te permet de faire ton secondaire Blood Angel. Et on se retrouve tout de suite pour le tour 5 des Nécrons qui va être très compliqué. Début du tour 5 des Nécrons. Alors attention, là il y a une grosse concentration du côté de C4. Non, oui, il est imperturbable ce garçon. qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regagner un point de commandement déjà. Oui, un PC. Ensuite, j'ai pas 36 solutions, donc il faut que je vienne, que je m'avance un petit peu avec mon seigneur pour essayer d'éliminer sa figurine de la Compagnie de la Mort au tir. Yes. Et ensuite, impacter Mephiston au cac, et il faut absolument que je le wipe pour marquer l'assassinat et récupérer l'objectif pour passer éventuellement devant le score. À la phase de commandement, tu récupères un point grâce à métal organique, tu passes donc à 5, hein, c'est pas mal. C'est ça. Là, tu vas faire ton mouvement de 8 pour te rapprocher du point central qui est là. Je te rappelle que tu n'as pas pu marquer de secondaire sur le point central puisque c'était à la phase de commandement malgré le changement des règles. En revanche, tu marqueras tes points de primaire à la fin de ton tour. Phase de tir, donc 2 des 3. Donc ça fait 3 tirs. Donc ça touche sur du 2+. C'est ça, relance les 1. Relance les 1. Déjà là ça passe. Ouais, ça passe. Force 6 en du 4, c'est sur du 3. Et ça fait dégâts 1, donc même si en relance 1, de toute façon, ça n'a pas d'intérêt, il ne réussira pas à tuer cette figurine. Qui n'est pas super OP, mais qui a 3 pas du centre. Bref, ça sonne déjà la Bérésina Necron. Mais bon, il faut continuer, il faut faire ce qu'on avait dit. Allez, c'est parti pour la charge. Sur les deux? Ouais. Charge à 5. Pourquoi tu charges les deux? Vas-y. Alors, je charge les deux parce qu'il faut absolument que j'essaye de wiper les deux, même si j'ai que 4 attaques. Donc, je vais mettre une attaque sur la Compagnie de la Mort et 3 attaques sur Mephiston.
Ok, et tu aurais pu, en attaquant que mes fistons, avoir deux attaques supplémentaires, mais il aurait fallu que tu ne tapes que sur mes fistons. Voilà. D'accord, d'accord. Et là, on est toujours dans la même logique, c'est-à-dire que s'il wipe les deux, il gagne. S'il wipe pas les deux, bah, il perd. Donc, allons-y. Donc, la charge à 5. Bon, ça passe. Ça, c'est fait. 4 attaques, une sur la compagnie de la mort, 3 sur mes fistons. Et une réaction tout de suite du Blue Angel qui a un point de commandement. Que vas-tu faire ? Physiologie transhumaine sur mes fistons. Allez, c'est parti. Donc l'attaque sur la compagnie de la mort. Ça passe. Ça passe. C'est force 8. Sur les deux. Aïe ! Ça passe pas. Je claque mon dernier PC pour la relance. Ça passe. Donc ça passe. T'es à moins 4 ? T'es à moins 4. Fat 3, j'ai 3 Feel No Pain à 6. Et non. Et le Space Marine meurt dans d'atroces souffrances. Ça fait déjà un mouru. T'es complètement marteau, mon pauvre ami. Ça, c'est la phase 1 du plan. Mephiston avec physiologie transhumaine va-t-il tanker ? On va voir ça. Les 3 attaques sur du 3+. Ouais, c'est chaud. Oh, ça touche, passe. Touche tout, blesse sur du 4. Blesse sur du 4. Allez, on y croit. J'en ai 2. 2. Je rappelle que Mephiston a 5 points de vie et que ça fait dégâts flat 3. Mephiston n'a pas d'invu. Mais il a une sauvegarde à 2, donc sauvegarde à 6. Mais il a une sauvegarde à 2, donc sauvegarde à 6. Car c'est PR-4. Attention, tout va se jouer là. Non. Donc j'ai 6 Feel No Pain à 5. 6 Feel No Pain à 5. Ah ouais, ça, il n'a plus de PC. Statistiquement, il sauve Mephiston qui a 5 points de vie. Il faut qu'il en réussisse au moins 2. Attention. Ah, oui là, là, là. Et voilà. Il en et donc il a 1 point. Alors attends, que je dise pas de bêtises. Il lui reste 2 points de vie. Et Mephiston, maintenant, dans ce Macora du centre de la table, va essayer de se venger, tout simplement, parce qu'il vient de prendre une petite claque quand même. il s'essuie la goutte de sang, d'ailleurs. C'est son sang, là. Là, c'est son sang, là, par contre. Hein. Et attention. Allez, vas-y. 7 attaques sur du 2+. Ah ouais, ça fait quand même 7 attaques. Ouais, c'est violent. Ça fait 6 touches. Et ouais, il est sur du 2. Tu as 5 sauvegardes. Invulnérable, je pense, parce que tu es PHU PR moins 3 pour dégâts des 3 à chaque fois. Invu à 4+. Ouh. Il y aura 2. Encore une fois, ça va être chaud. 2 des 3, le premier. 2. 2, il reste 3 points de vie. Allez. 1. Eh ben, ils survivent tous les deux. Et il lui restera donc 2 points de vie. Ils seront là. Eh ben, ils peuvent se servir un café. Ouais, salut. Salut, moi j'ai 2 points de vie. Et toi, moi aussi j'ai 2 points de vie. Bah, ils sont où les autres? Ils sont tous morts. Donc on va faire les comptes de cette fin de tour. On va tourner un petit peu. Il est magnifique. Le seigneur de guerre des Nécrons. Ici reste Mephiston. Se regarde les mecs. Ils ont chacun 2 points de vie. Ils sont tous les deux en train de prendre l'objectif central. Mais c'est du coup les Blood Angels qui s'en sortent le mieux, puisque ça empêche les Nécrons de marquer des points sur cet objectif central lors de leur tour 5, puisqu'ils marquent à la fin de leur tour. Tu vas quand même marquer 5 points, enfin 6 points, donc 5 points d'éliminer la vermine, puisque tu le capes à 15. Donc ça, bien joué. Et on va faire le reste des comptes hors caméra. Et on se retrouve tous ensemble pour le débrief de cette partie haletante face caméra. On se retrouve à la fin de cette partie passionnante entre Saikat et Volkern pour le débrief. Alors, on va commencer tout de suite par notre invité plus nouveau. Saikat, qu'en as-tu pensé ? C'était un très beau match. Très serré aussi, parce que ça s'est vraiment joué à la fin au fil du rasoir en quelque sorte, hein, ça s'est joué à 2 points de vie. C'est vrai. Voilà, les dés ont parlé, l'empereur a protégé, donc le Blood Angel s'en est mieux sorti que moi. Mais cependant, je pense qu'on n'a pas démérité tous les deux, et j'ai peut-être fait une erreur aussi à un moment donné sur les Destroyers. Le fait d'avoir enlevé une figurine qui fait que j'ai perdu mon invu à 5 et la possibilité de me relever sur du 4+, je pense que c'est ce qui a joué là-dessus. Après, j'aurais eu peut-être un petit peu plus de chance à la dernière phase, j'aurais pu repasser devant, mais en tout cas, très beau match, je suis très content. Très bien, et toi, Volkern, qu'en as-tu pensé ? Eh ben, c'était une partie qui était excellente. Franchement, je me suis éclaté, et j'ai rarement eu une partie aussi serrée. Pour le débrief en lui-même de la partie, ça a été vraiment très difficile au début, surtout que je fais une énorme erreur dès le tour 1. J'ai pas mesuré la létalité des Scorpec et des Destroyers, vraiment pas.
Je pensais vraiment pas qu'ils allaient me laver 10 Space Marines et je lui ai donné cadeau, quoi. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est pas comme mes guerriers Necrons, t'as vu ça, c'est, ah, ils piquent, hein. Ouais. Ils ont découpé du Space Marine, ouais. Donc du coup, ça m'a tout de suite mis dans la sauce. En plus, j'impacte tes guerriers Necrons avec Mephiston et la Compagnie de la Mort et je mets 3 tours à sortir 15 guerriers Necrons. Ça, ça m'a vraiment fait mal. Du coup, qu'est-ce que tu veux, t'as la lance molle, t'as la lance molle. Hein. Ah, il faut remarquer que il a quand même vachement tanké, ouais. Bien tanké, et franchement joli jet de dés pour les protocoles aussi. Ouais. On parlera d'un autre jet de dés aussi. Là, franchement, c'est le destin. Non, j'étais dans la sauce pendant les 3 premiers tours, et pour moi, ce qui a fait ma game, c'est Mephiston. Quand il tabasse au corps à corps, c'est une brute. Et le Dreadnought qui a réussi à tenir face au Destroyer et en sortir 2 ou 3. Ouais, c'était 2 phases clés, je pense, aussi de la partie. Ouais. Le Mephiston qui. Alors, je l'ai raté une fois, mais les 2 tours suivants, j'ai réussi à passer les Eldos Sanguinus, qui fait qu'il a pu bouger, traverser la table comme il voulait. Mephiston, c'est bénil. C'est n'importe quoi. Il traverse la table, il revient, il repasse. Il est au four, au moulin. C'est... Pour moi, les Eldos Sanguinus, c'est vraiment le sort qui me sauve la vie sur cette partie. Pardon. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que tu t'en es bien sorti. Moi, je trouve que là où ta partie, enfin, là où ça a été un petit peu différent des parties habituelles où tu joues, c'est que pour le coup, tu as vraiment joué le scénario. Et même si tu as rebondi, c'est vrai, même si tu as fait 2-3 erreurs en lui donnant un tremplin avec les intercesseurs d'assaut, en tout cas, tu as pris les points. Et au final, c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que tu gagnes au point. On a 2 seigneurs de guerre d'à peu près même létalité qui sont au centre de la game à la fin avec 2 points de vie chacun. Donc il n'y a pas plus égal que ça. Et la différence, elle se fait sur le choix des secondaires et sur le choix des primaires. Ce qui prouve une fois de plus que la V9, le plus important, c'est quand même de marquer des points. Et là, on voit vraiment, si on regarde le score, la différence. 45 points de primaire que tu capes, 20 points seulement pour les Nécrons. Ça joue aussi sur le fait que tu as eu le premier tour et pas toi. Parce qu'en fait, vous aviez des armées qui étaient relativement similaires, avec pas trop de gunline, mais plutôt des armées qui vont aller se rentrer dedans et qui vont closer, mais pas seulement, c'est-à-dire aussi tanker. Toi, tu as fait éliminer la vermine en KP, donc très bien, c'était logique. Ce qui est paradoxal d'ailleurs, hein, parce que tu as pris un peu la table, mais quand même, tu as toujours réussi à l'éliminer de certains quarts de table. Et la différence se fait là, hein, parce que sécuriser le site, bon, toi, tu l'as un petit peu fait en marquant 5 points, c'est pas énorme. Le centre de table était trop létal. Toi, tu n'as pas réussi à l'avoir. Non, j'ai pas été au centre de table, du coup, parce qu'il y avait le dread et que bah, j'ai préféré contourner pour vraiment prendre l'objectif. Donc là, j'ai pas vraiment joué cette partie-là, ce qui m'a peut-être aussi un petit peu desservi, mais. Ah, le dread, il a créé une zone d'interdiction, ouais, clairement. Là, tout ce qu'il a touché, ça l'a fait voler, quoi. Le fait qu'il reste avec un PV, déjà, ça m'a bien gêné sur mon tour 4. Faut remarquer aussi que le dread, il a été quand même ultra létal sur les destroyers. Ouais. À un moment donné, j'ai vraiment cru qu'il avait... Enfin, il a fait pile poil le nombre de dégâts qu'il fallait. Et tu réussis une jolie save à 6, qu'il fallait tenter. Là, franchement, t'as... Ah oui, c'était bien joué, ça. Franchement, je pense que je l'aurais pas tenté. Mais là, ouais, joli. Mais sinon, il te sortait les 4. Ouais. Mais tu n'aurais pas tenté, donc tu n'aurais pas réussi. C'est ça. Et voilà, ouais. Donc, hein. C'est ça. Oui, mais... Il a réussi parce que je me serais dit, le PC peut me servir pour autre chose. Là, c'est trop normal. Ouais, mais comme quoi, des fois... les dés parlent, comme tu dis. Voilà. Et là, t'en as sauvé un, t'en as relevé un derrière, et là, j'étais dans la sauce, encore une fois. Au-delà des dés, franchement, c'est une belle partie, c'était super sympa à suivre. Ça a pris pas mal de temps, en définitive, à tourner, parce que même si c'était 2 fois 1000 points, bah, y avait plein de choses qui se passaient, des tricks, des ceci, des cela. C'est vrai que les scénarios de la V9 aussi amènent ça, c'est-à-dire quel que soit le niveau, 1500, 2000 ou 1000, et ben en définitive, on va se retrouver avec des figurines qui sont obligées d'aller chercher des points. Aussi, la valeur des figurines, plus on est sur des formats petits, plus leur valeur, je trouve, sont mis en exergue, c'est-à-dire que ça avance. On se retrouve pas systématiquement, mais on se retrouve souvent avec des armées dont les personnages clés sont importants. Alors qu'à 2000 points, tu prends 4 tirs de canon laser, terminé, Mephiston, il sort au premier tour, on n'en parle plus, quoi. Bien sûr, ouais. Et pareil pour ton. Et là, t'avais pas de noble, ce qui fait que tu n'avais pas de tes protocoles. C'était un risque.
Il aurait peut-être dû ou pu les avoir autrement, mais on voit que bah, au final, quand même, ta figurine... Ouais, il y a quand même eu de la létalité. Et, voilà. Si, il faut rappeler que si ton plan fonctionne au dernier tour, sachant que bon, il pensait pas se faire laver son arche au dernier tour. Ouais, franchement, 12 ouais, points de vie, blindage quantique, bon voilà. Elle saute, et il a encore la ressource, la possibilité, en allant cac, de tuer les deux personnages, enfin de tuer le dernier figurine de Compagnie de la Mort et Méphiston. Et s'il le fait, il le laisse à 2 points de vie, je vous le rappelle, s'il le fait, il gagne la game d'un point. C'est ça. Donc vraiment, super. Un petit format incursion sur une petite table, on s'est dit 1000 points, peut-être il y aura trop de figurines, ça. Non, en fait c'est sympa, il n'y a pas besoin d'énormément de décors, les décors ont de l'importance mais pas plus que sur une grande table avec 2000 points d'armée. Mmh. Donc franchement, un format très agréable qui demande en fait aussi moins d'investissement dans les armées, ce qui permet d'avoir plus d'armées différentes. Nous on signe sur les formats 1000 points, sur des tables incursion. Je vous rappelle, hein, c'est une petite table, ça fait 44 par 30. Et donc, voilà, ça se joue sur une table de salon à la maison. C'est ça. Et ça, c'est vraiment sympa. Et donc, on s'aperçoit que... et j'étais un des premiers à penser que dans la V9, la réduction des tables, ce serait un problème. Et en fait, non, pas du tout. C'est vraiment intéressant. Est-ce que vous avez autre chose à nous dire sur cette partie, si ce n'est que vous allez revenir bientôt sur la chaîne pour vous remettre sur le groin, parce que ça mérite tout de suite une revanche. Avec plaisir. Ah bah là, ils se regardent dans le blanc des yeux, là. Ouais, le piston et le seigneur, là. Après, il y a deux petites choses auxquelles j'ai pensé après, que j'ai oublié de faire, notamment mon voile des ténèbres, que j'avais aussi avec mon chronomancien, qui aurait peut-être pu me permettre d'aller à l'autre bout de la table. Bon, après, Méphiston avait quand même réussi son pouvoir psy, donc il aurait quand même pu me mettre la BM qui m'a tué au final. Mm-hmm. J'avais également l'autodestruction en stratagème pour mes unités scarabes, qui aurait peut-être pu aussi impacter un petit peu plus. Bon, après, c'est du détail, je pense, quand même, à côté de la partie, qui pour moi était vraiment belle. Enfin, moi, j'ai vraiment pris plaisir à jouer avec Walkern. Et merci à tous les deux. Bah écoute, merci à toi parce que t'es arrivé sur la pointe des pieds en m'envoyant un message en me disant oui, j'ai une armée, elle est un peu peinte, mais bon, est-ce que ça veut. Tu m'as envoyé des photos, j'ai pris des claques à la rétine, j'ai fait ouais, non, c'est bon, tu peux venir. Elle est un peu peinte. Voilà. Après, je me suis dit, c'est toujours délicat, on connaît pas quelqu'un, on dit bon, on va faire venir dans un endroit professionnel pour travailler, enfin, ouais. Professionnel entre guillemets, dans un endroit associatif, machin. Et bon, je l'ai vu arriver avec un polo si chez. Je me suis dit c'est bon, je peux avoir confiance. Donc voilà, et c'est vraiment super sympa, et en plus de ça, ça va amener aussi potentiellement plein d'autres personnes sur la chaîne pour que vous voyez des nouvelles têtes, et puis pour le plaisir de les recevoir. Je voudrais juste remercier C4 qui est franchement une personne super sympa, j'ai passé une super partie, c'était ultra serré, franchement super content, hâte de rejouer contre toi. Voilà. Un plaisir. Une bonne ambiance. Une très, très bonne ambiance, c'est très bien marré. Voilà, ce rapport de bataille est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi, merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous rappelons qu'il a été joué sur un battle map de la marque Crank Wargame, que les décors étaient ceux de la Compagnie du Val-de-Mort à Cognac. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. À vous abonner à la chaîne et surtout à la partager autour de auprès de vos amis ou dans votre communauté pour que la communauté de 40K Wargamer TV grandisse. Si vous voulez soutenir la chaîne, nous vous rappelons que nous avons un Tipeee. D'ailleurs, on a deux tipeurs ici. Bonjour. Nous vous remercions si vous pouvez le faire, évidemment. Avant de nous quitter, nous tenions tout particulièrement à remercier effectivement les tipeurs et les abonnés de la chaîne. Nous vous souhaitons le meilleur et en attendant, n'oubliez pas, sans maîtrise, la chagat n'est rien.